Bonsoir, bonsoir mes amis, que de poésie. Voilà, donc nouveau Playfou, vous avez compris, voilà. Alors un jeu indépendant, Mind Path of Thalamus, donc esprit, hein, le sentier du thalamus. Donc le thalamus, donc je suis allé voir sur Wikipédia, hein, vite fait, mais donc ça vient aussi de mes cours, hein, personnellement, mais donc c'est situé donc dans le cerveau, hein, dans la matière grise, et c'est en rapport avec la vigilance, la conscience et le sommeil. Donc mes amis, voilà, donc le son est peut-être un peu fort. Donc ce que je voulais, c'était capturer vraiment la pureté du débit. Voilà, donc le son est un peu fort, mais attendez, on va regarder ce qui se passe, hein. Donc, je lance avec vous, hein, comme d'habitude. Subtitles, on va mettre oui, parce qu'on va mettre en anglais. Ah bah, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que vidéo, il n'y a pas le son. Ok mes amis, donc en fait, on peut pas changer le son. Moi, peut-être que je baisserai un petit peu le son de mon Windows normal. Ok, on va le mettre en 720, ok, c'est parfait. No. Oui, il n'y a pas de souci. Full screen. Allô, on va mettre médium, hein. C'est parti. Save settings, ok. Là, il va falloir que je redémarre après. Ok, on est bon. Ah, mes amis, voilà. Donc, on fait ça et on lance le jeu. Comme ça, vous avez eu le début. Voilà, restez glacis. Ça a l'air terrible. Donc, un peu puzzle game. Puzzle game. Donc, dans le monde des rêves, je pense qu'on va errer un peu. Hein. On va voir des paysages magnifiques. On va avoir beaucoup de poésie, je pense. J'espère que ce sera pas trop trop compliqué. Un peu à la Hunting Chamber peut-être, mais c'était assez. Bon, Hunting Chamber ça allait, mais. Enfin, c'était quand même chelou certaines énigmes, mais bon. J'espère que vous entendez bien. Là, tout de suite, c'est Glacy pour une aventure magnifique qui va commencer bientôt. À tout, à tout, à tout. Bonsoir, bonsoir mes amis. Pour la suite, je vais vous raconter un truc trop bizarre que. Là, ça m'est jamais arrivé. Mind Path of the Thalamus, hein. Donc en fait là, donc j'ai juste baissé un petit peu le son, mes amis. Thalamus, donc j'ai confirmé ce que j'ai dit avant. Donc c'est juste dans le cerveau. C'est aussi pour la coordination des mouvements, mes amis, donc très important. Ouais, c'est intéressant de savoir tout ça. Hein. Donc le cerveau, hein, celui qui comprendra un jour les mystères du cerveau et. Peut-être qu'il comprendra tout en fait. Et puis ça veut dire chambre à coucher en grec, ouais. Ok. Donc, ah ouais, alors le truc trop délire, c'est que j'ai lancé Fraps. Donc en fait, avant, quand je vous ai quitté, ouais, c'est juste pour le petit aparté, mais c'est marrant, vous allez voir, c'est une informatique aussi, c'est aussi un petit aparté informatique. C'est marrant cette petite feuille là, qui bouge. Donc là, vous voyez, c'est bleu, hein, un peu bleu, machin. Donc avant, quand j'ai quitté Fraps, tout l'arbre était en vert turquoise, et le fond était en noir. J'ai fait, oh putain le bug, j'ai quitté le jeu tranquille. Donc je reviens maintenant, je fais Fraps une fois, ça fait, je crois que ça fait le même délire. Je fais, ok, je rappuie une fois, donc ça coupe, ça fait une autre couleur. Je crois que ça fait l'effet avec toutes les couleurs là, un peu stroboscopique. Je recoupe une fois, je refais une fois Fraps, toutes les feuilles étaient roses là, l'arbre était rose et le fond était aussi tout noir. J'ai recoupé donc, j'ai refait encore une fois et maintenant, je crois que c'est bon parce que j'ai envie de dire mes amis. En fait, ça part avec le fond bleu et le ciel normal, quoi. Voilà. Mais je crois que j'ai eu 5 effets, entre guillemets, différents. Vous savez, comme dans Minecraft. Maintenant, Minecraft, on a 1.7.10. Si je dis pas de conneries, oui, c'est ça, t'as des options. Et puis t'as un truc genre Snooper Settings. Snooper Settings, t'appuies dessus, en plein jeu, vous allez voir si vous avez jamais fait. Je crois que c'est ça. Ou Secret, je sais pas quoi. T'appuies, et en fait, ça donne un effet. Un effet quoi, un peu cloudy ou un peu aquarelle, un peu distorsion, machin, et des trucs complètement trippés, bah c'est ça que ça m'a fait. Et c'est la première fois que ça me fait ça. Donc j'ai envie de dire, j'espère que ça va pas faire bugger. Ou peut-être que les programmeurs veulent pas qu'on stream le jeu, ou qu'on le recorde, mais c'est trop tard. Et pourtant j'ai baissé le son, mes amis, j'espère que ça va pour vous. Perso, moi voilà, j'ai réglé là, hein. On a fait ça avant, voilà, et Mamino. Ok, on est parti. C'est parti mes amis. New game, Glacy, Mind Path of the Thalamus, j'espère que ça marche. J'espère que ça marche, parce que si ça marche pas, je suis vraiment dans la merde. J'espère que ça va pas faire de bug de graphisme quoi. C'est parti.
Espagne. Naya Fornells. Combien de fois je vais la tuer? Combien de fois vais-je devoir la tuer? Wow, comme c'est beau. Ouais, ça joue déjà là. Wow, comme c'est beau. Ça fait penser un peu à Bioshock. Mais avec un côté aquarelle aussi. Waouh, comme c'est magnifique. Ah, ça c'est trippé ça. Ouais, Tony, ferme les portes, machin. Alors je peux juste bouger pour l'instant, donc... c'est complètement trippé. Oh, le maelstrom, quoi. Putain, je suis content, mon PC, il fait... Tellement d'actifs, tellement encore OP. On peut aller là-bas ou... Il faut aller où? Ouais. Il faut descendre, mes amis, je pense. Putain, comme c'est beau. Il faut aller vers le maelstrom, là. On va aller voir quand même là-bas. C'est un petit test aussi, hein. Mes amis, ouais, donc en fait, normalement vous pouvez voir l'écran est un peu plus grand. En fait, j'ai mis ma résolution native 1680x1050 parce qu'avant ça buguait. Je sais pas, vous pouvez voir à la fin de l'épisode, je dis oh merde, bah, ça bug. En fait, ça fait build UDK, ça essaie de fonctionner, machin. Bon, c'est les aléas du live et tout. Donc, je vous répète, donc en fait, c'était en 720. Enfin, je vous répète, je vous avais déjà dit ça. Donc, moi, mon écran il est 21 pouces, donc du coup, c'est pas vraiment du 720. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est du HD, mais c'est en dessous. Ma résolution c'est 1680x1050. Donc, en fait, dès que je mets des jeux en 720, il redémarre l'écran, c'est un peu chelou. Sur Killer is Dead, ça faisait aussi, Anti-Chamber aussi, mais ça marche. En l'occurrence, ça marche pas pour ce jeu, donc je redémarre avec vous. Là, perso, pour moi, ça prend tout l'écran, en fait. Là, ça fait vraiment beau, j'espère que Fraps va pas bugger. Quand j'ai relancé Fraps, là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Vous me direz aussi si jamais il y en a qui frappent ce jeu, mais moi, je dois lancer 8 fois Fraps, hein, je crois, avant que ça marche. Il y a des effets trop bizarres, quoi. T'as des espèces de cubes qui viennent vers toi. En fait, toute la neige, là, elle est en forme de pixels. Hyper grand comme ça, c'est complètement taré. J'espère que ça va pas bugger, mes amis. Enfin, j'espère que ça. Si jamais je vais pas vers les barrières, là je me casse. Ok, on fait comme ça. C'était pas Tony ferme la porte, c'était Chéri ferme la porte aussi avant. Je m'excuse, hein. Donc je pense qu'on sort d'un rêve, enfin, on est dans un rêve, mais enfin, je sais pas trop avec le maelstrom à côté. Donc je vais pas vers les barrières parce que peut-être que ça bug aussi là-bas, mes amis. Donc je descends direct à l'escalier. Ok, puis je dis plus rien, on se concentre. Ouais, combien de fois devrais-je la tuer, hein, vous savez maintenant. Ouais, Wood, normalement ce serait plutôt pour le conditionnel, mais Will, c'est le futur, mais... Donc, ça serait... Ah ouais, mais j'avais même pas fait gaffe avant, en fait, elle a shooté là. J'étais tellement omnibulé par... Ah ouais, mais faut que je me casse maintenant, ok. Ok, alors, mes amis... peut-être... Non, mais va pas là, justement. Alors, on continue, mes amis, on essaye d'avancer un peu. J'espère que ça va pas bugger. Vous dites la vérité, c'est juste trop beau. Là, c'est encore plus beau, ça prend tout l'écran. Waouh, c'est magnifique. J'aurais pas dû l'amener ici, merde. Il part de Sofia. Hein. Je vais parler un peu plus fort parce que moi, c'est fort dans mon casque. J'ai baissé le son des yeux. Waouh, je peux pas sauter, je peux rien faire. Sofia, where are you? Mais il arrive. Oh, putain, non. Sérieux, je peux pas courir, je peux rien faire. C'est quoi ce truc? Sweetie, do not go outside! Le chéri va pas dehors! Damn it! Oh, il y a une taille, ouais. Happé, là. Je suis mort, je pense, non? Baby, please, please, baby, don't do this to me. Oh non, bébé, fais pas ça à moi. Sophia, où es-tu? Attendez, j'écoute juste mon PC si.
Ouais, et qui reblure pas trop, c'est parfait. Un petit peu le ventilo qui s'actionne un peu, mais c'est normal. Ok. Perso, je suis à 30 FPS. Hein. La moitié, hein, je suis à 60 normalement. Donc ça va, putain, mon PC, il... Ok. Wow. Putain, ça rappelle Blame aussi. Ouais, je suis désolé, je dis un peu les mêmes références, mais... Wow, l'ombre, là, ça fait un peu archange. Archange ou démon, là. Je sais pas si vous voyez. Là, en fait, ça serait le bras. Moi, je vois ça comme ça. Il est sous... il y a une cape, là. Ça, ça fait la tête. Comme le costume. Comme Darksiders, un peu. Hein. Guerre. Guerrier comme ça, une espèce de chaman, chaman. Et là, en fait, c'est son bras, avec une, c'est une épée là, et puis là, il y a les deux jambes. Ah non, au berserk, Guts, ah, tellement avec l'épée sous le côté là, comme ça. Ah, je suis désolé, putain, c'est terrible. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mec? Ah, je peux sauter, ok. Ah, il y a un chemin. Ah, ok, est-ce que je peux courir? Non. Je peux pas courir, je peux juste sauter. C'est quoi, c'est un espace de calabillo? How many times will I kill her? Combien de fois devrais-je la tuer? I've asked myself that question 1,000 times. Je me suis posé la question des milliers de fois. It was always there, flying around my head like my own personal vulture, waiting for me to die and scavenge my corpse. Toujours au-dessus de ma tête, comme une épée de Damoclès, entre guillemets. When I ended up in that hospital bed. Ok, il a fini dans un hôpital, un lit d'hôpital, je pense qu'il y a eu un accident. Ou... Ah ouais, on entend, c'est les pulsations. Ouais, ça me fait penser à un espace de Calabillo, ça, mes amis. Je vous invite à voir la théorie des cordes. Hein. C'est typiquement. Ça fait typiquement un peu cet univers. On est à l'échelle de Planck, là, mon pote. On est à 10-33 cm. Ouais, j'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit, mais j'adore ça. Hein. Et puis ces références, c'est un peu ancré dans ma tête, quoi. C'est. Ah, c'est la réalité, c'est trop important quoi, je sais pas comment expliquer, c'est métaphysique, au-delà de la physique, on est où là? Donc Calabillo, allez voir, hein. Supersymétrie, théorie M, etc. C'est très 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 intéressant. D'abord Calusa Klein, hein. Et après il y a eu Calabillo, ce sont les noms des découvreurs. Hein. Ce cristal, quoi. Putain, il faut pas tomber. Est-ce qu'il y a, on dirait des cristaux de neige un peu, non? Je suis pas, justement, on dirait que je suis dans l'infiniment petit, puis ça fait un peu cristaux, non? Putain, c'est ça quand on est mort, peut-être. T'as une bonne vision, ils ont une bonne vision, les développeurs. Je sais pas si on peut aller là-dessus, mais... C'est la lumière blanche, comme on dit. C'est quoi, c'est un trône, un siège? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça continue? Ou pas. Merde, j'aurais peut-être pas dû aller là. Là. Ok. Waouh. Ah, mais on est dans les synapses. Putain, j'ai trop con. Enfin, je. Ouais, on est dans les neurones, les synapses. On est dans le cerveau, mec. Putain. Ça, c'est sur le. C'est sur un. L'axone, ouais. Putain, les cours de... Ça va pas. Mes cours. Wouah, comme c'est... I put Sophia c'est in net danger, d'un coup, là. Taking her with me on the job. Il a mis Sophie en danger Severe en l'amenant... Weather phenomena. It's more exciting than it sounds. En fait, il l'a amené là, je pense, dans l'endroit où ils étaient, puis il y a le maestro, et puis c'est le bon. There's some radical 90s voilà, slang c'est ce qu'il for dit. You. Il y avait du temps extrême, nanana. My reckless father had done the same thing with Sophia and I. At least this time she didn't suffer. Je pense qu'elle a pas souffert. Well, had I known, but I didn't. Not yet. Et je sais pas encore. Il a parlé de 90s slang, argot des années 90, je sais pas quoi. En gros, il a amené Sophia avec lui dans son trip, hein, son voyage, hein, je dirais, de l'anglais. Et puis bah ça m'a tourné. Oh putain, il y a des connexions. Ouais, c'est ça, on est dans les. Putain, mais c'est. J'ai envie de dire, c'est encore un chef-d'œuvre, quoi. Mais je sais pas, je suis omnibulé par la simplicité, en fait. Cairo, T-Chamber, tous ces jeux-là. Putain, c'est minimaliste, mais c'est tellement beau, quoi. Naissance-y. Ouais, on monte. Je suis désolé, mais je peux pas courir. Mais... Waouh, je suis sur des synapses, quoi. Dans le cerveau, mec. Et puis l'histoire des 10%
Qu'on utilise que 10% de notre capacité, c'est... C'est faux, hein. Je sais plus quoi, je sais plus c'est quoi vraiment la... Le vrai truc, mais c'est pas ça du tout. Hein. Je crois qu'on utilise toujours, entre guillemets... non. Enfin, j'ai pas envie de dire de conneries, en fait. Je sais plus ce qu'il disait. Peut-être je vous dirai, mes amis, dans... Oh. C'est qu'en fait, on utilise tout le temps notre cerveau, en fait, inconsciemment, consciemment, mais entre guillemets, dès qu'on est voué plus à une tâche qu'à une autre, ou genre, bah là, par exemple, je joue, ou fais du sport ou quoi, bah il va utiliser, bah, en l'occurrence, par exemple, 10 ou un certain pourcentage, mais entre guillemets, le cerveau, il est toujours conscient, quoi. Je crois que c'est ça, quoi. Si j'ai pas envie de dire de conneries. Hein. Ou c'est le contraire, et juste, parce que justement, il peut pas être utilisé toutes ses capacités. Mais vous me direz si jamais. Moi, perso, j'irai vérifier. C'est quoi? T'as les effets, ils sont trippés. C'est quoi, des fourmis? Des blattes? Des blattes mécaniques? Électroniques? Cybernétiques? Maléfiques? C'est quoi? C'est l'espace-temps qui grignote un peu. Un peu plus d'espace d'ailleurs. Ouais, ah, t'es gentil, je vais où moi? Trippé, putain. Et je fais quoi? Je vais où? Mal, viens. Ok, ça reste. Je vais voir si je peux pas peut-être revenir après, là. Ah, mais on va dans les souvenirs, ouais, mais... Ouais, la lettre... Her drawing. Ah, son dessin. The first of many. Le premier de plein. It had been too long since Sophia had been more than a whisper screaming in the back of my mind. Il y a longtemps que. But I could still recognize it. Il reconnaît Sophia. I admit, ouais. At that moment, hope started to flourish inside me. Where would bien the drawing plus qu'un simple murmure, il dit. My qu'un simple fantôme. In this world? Est-ce que ma sœur était vivante dans ce monde? Ah, c'est sa sœur alors. Sophia. Putain, mais c'est trippé parce que s'il y a d'énigmes, je peux revenir ou pas? Ah ouais, bah mes amis, on essaie déjà ça, parce que je sais pas, ça m'inspire pas confiance, le chemin là. Putain, comme c'est beau, comme c'est fluide, putain, je suis à 50 FPS, j'ai rien dit. Wow, c'est terrible, putain, ça fait du bien de jouer à 50 FPS. C'est clair que c'est chic, quoi. Wow, il se passe quoi ici? De toute façon, il y a pas vraiment d'interaction, à part sauter, on est où là? Merde, c'est ce que je pensais, ça s'est fermé. Ah bah c'est pas grave, bon. Bah vous me direz si jamais vous avez commencé à aller d'abord là-bas, j'ai hésité, hein. Au pire, ça m'aurait peut-être fait revenir au début, mais... vous savez ce que je vais faire, moi je vais recommencer la partie. Puis entre guillemets, bah on verra si c'est une sauvegarde, je sais pas comment ça se passe, hein. Ou pas. Ouais, je pense que c'est automatique, il y a des checkpoints. Mais si jamais, au pire, moi je ferai... De mon côté, je vous dirai, on verra. Ok, on continue, mes amis. Voilà. Ah, ok, donc ça c'est les... La taille... Ah ouais, donc la taille que tu faisais suivant les années, tout à fait. Ah, c'est cool ça, donc en fait, il fallait aller de l'autre côté, c'est ça? Donc en 81, tu... Ouais. Nick, Sophia, ouais, mais ça m'avance pas trop, parce que... 86, 84, ouais, c'est... tout à fait... T'es né en 76... 92... 81, 86, ouais, là... Donc Sophia, elle a pas... T'as pas le temps de grandir, ouais, ok... Ah, ok... C'est un peu à la Teen Chamber, quoi, tu dois... Aller en arrière ou... Ah, oh. Ah, ok, il faut avancer puis tourner à chaque fois. Ah, je crois que c'est bon. Ok. D'accord. C'est long, c'est un peu perturbateur. Attends, c'est tout à 180, quoi. Ouais, il y a encore un dessin. C'est terrible, il y a des énigmes ou... En tout cas... C'est magique quoi. Magique mes amis, magique. On avance dans les profondeurs de notre conscience. Ou des rêves. Ouais, petit papier, où es-tu? Je me suis perdu maintenant. Ouais, c'est à la Teen Chamber. Ah non, c'est bon. C'est un chargement.
Ah, bouton de gauche, et ça prend quoi? C'est quoi? Une pelote de laine? C'est pour prendre. C'est un neurone. Wouah, putain. C'est terrible, putain, y'a pas un lien entre ces développeurs, les. Si je garde appuyé, non? Ah, faut que je garde appuyé pour pousser. Ouais, j'ai rien capté, quoi. Ouais, il a l'air de bouger, mais en gardant appuyé, ça fait rien. Et puis si j'appuie, que je fonce dessus non plus. Ah fuck, putain. Mais... Non. Et si je vais là-bas? C'est fermé. Putain, comme c'est beau. Non, mais vas-y, ça commence bizarre là. J'ai besoin de ce truc là. Qu'est-ce qui se passe quoi? Sur une plage ou? Non, c'est du béton. C'est quoi, un mur infini là? Ouais, je pense pas qu'il faut aller dans les méandres. Hein. Non, on peut pas, il y a un mur invisible. Ok. Ah, fait chier, je pense qu'il fallait peut-être pousser cette boule. Mais je sais pas, il m'a dit bouton de gauche, mais ça a rien fait. Ça a poussé un peu, ouais, mais j'ai pas capté le mécanisme, c'est bizarre. Shift, non? Q, A, R, T. 1, 2, 3. Je sais pas, tab, non, bon, on s'en fout, on verra bien. Puis je recharge, mais de toute façon c'était pour le test, hein. Enfin, le test, c'est le premier épisode. Il peut arriver des trucs, les premiers épisodes, toujours. Ouais. Ouais, oh, descend. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? J'espère que j'ai pas besoin de cette boule, quoi. Pour passer. Ouais. C'est joli ces armes là, c'est bien fait. Comme ils sont enlacés comme ça. Succès déverrouillé, Nivola. Ok, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Nivola. Nivola. I avec une espèce de d'accent plutôt, non? Nivola, on aurait dit un scientifique ou. Enfin. Une tête entre guillemets de savant, je vois ça comme ça, mais. Waouh. On dirait un peu comme une explosion là. Ça fait l'aura là, juste avant. Ok, est-ce que je peux rentrer là-dedans? Évidemment que je peux pas. Ah, je t'ai écouté, putain. Je savais, mes amis. Bah ouais, il faut bouger. Alors, mes amis, je crois que je coupe frappe, je recharge et je vous reprends là. Bah, j'ai pas le choix. Parce que je crois que la boule, elle servait à... Ouais, mais c'est bizarre, ce mécanisme. Attendez, on va voir si on n'aura peut-être pas oublié quelque chose non plus. C'est trippant, ces chaises, quoi. Ouais. Bois, des arbres, des... Ouais. La nature, un mur infini et un rail. Ok, mais ça, mon ami... Deux fois. Une fois, t'appuies. Une fois. Bon, mes amis, je coupe Fraps. Parce que je peux pas me baisser. Je peux... Ah, contrôle, ça saute aussi. Ah, putain, j'ai pas de bol, je suis désolé, hein. À toutes, mes amis, à toutes. À toutes, je vous reprends là, hein, c'était Glacy. Ouais, je suis désolé, je sais pas, j'arrive pas à vous faire avancer la boule. Je vais encore perdurer, enfin, faire un peu le têtu une minute, mais. À toutes, à toutes. Désolé, à toutes.